J'espère que vous allez bien. On est lundi, il est 9h30 et on attaque une nouvelle journée, une nouvelle semaine par la même occasion. Semaine qui va être un petit peu spéciale puisque nous partons en vacances samedi. Donc je vous emmène avec moi dans tout ça. Je vais vlogger aussi pendant mes vacances, donc ça c'est cool. Je vloggerai peut-être pas tous les jours, mais je vais vlogger. En attendant, qu'est-ce que... Pour cette semaine, bah écoutez, plein de choses à faire. J'ai énormément de repassages à faire aujourd'hui. Il faut que je vous montre le vlog également, que je vous montre la vidéo du jour. Et voilà, donc écoutez, on y va tout de suite, c'est parti. On attaque la journée. Ah, et je vous ai pas montré la tenue du jour. Je vous montre quand même, mais je pense que vous la connaissez maintenant, la tenue du jour, puisque je vous l'ai déjà présentée celle-là. Donc voilà un petit peu la tenue du jour. Donc c'est une petite robe qui vient de chez Shein que j'adore. Elle est trop belle. Je me sens hyper bien dedans et tout. Elle est vraiment belle. Et des petites sandales de chez H&M. Vous voyez que je suis pas toujours en basket. Voilà, des bijoux et du make-up. Ça, c'est une petite médaille Lilou Box que j'ai reçue dans la Lilou Box. Les petites boucles d'oreilles, elles me viennent de Ludivine, qui est une de mes abonnées, qui me les a offertes gentiment pour mon anniversaire. D'ailleurs, il faut que je mette la bague qui va avec. Elle est où la bague qui va avec? J'ai dû la mettre dans mon pot à bijoux de la cuisine quand je l'ai retirée la dernière fois. Parce que je les retire pour faire la vaisselle, hein. Bien évidemment. Oui, elle est là. Donc voilà la petite bague, c'est des bijoux zag en fait pour celles que ça intéresserait. Donc la bague et les boucles d'oreilles, c'est des petits bijoux zag. Au niveau du make-up, je me suis maquillée avec une palette comme hier. C'est une palette que Audrey, une de mes abonnées, m'a envoyée pour mon anniversaire. C'est une palette de chez Ciaté qui est juste magnifique, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Et pour le rouge à lèvres, c'est le Globetrotter de chez Maybelline, les Super Stay Matte Ink. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Je vais voir la vidéo du jour. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je ne sais pas. Je sais même pas si elle est tournée ou pas. Je suis à la bourre en ce moment, c'est une catastrophe. Pourtant, j'ai... Bref. Allez, bon, c'est parti mon kiki. J'ai demandé la vidéo du jour. Je savais pas si je devais vous la mettre en ligne ou pas. Et puis ce matin, j'ai dit allez hop, on la met en ligne quand même. Donc ouais. Je pense que ça va vous plaire. Donc j'attends qu'elle se charge sur le PC bien comme il faut. Et après je vous la mets en ligne pour ce soir. Et après je monte le vlog. Et je suis super contente parce que pendant nos vacances, on va revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Qui sont du fin fond de la Bretagne là-bas, tout au bout du côté de... fin fond du Finistère quoi. Donc voilà, je suis très contente de les revoir. Et franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà, bah écoutez, tout roule ce matin. Je fais ce que j'ai à faire. Séquence repassage, Maurice chauffe. Non, c'est Marcel. Décidément, je vais toujours l'appeler Maurice. Marcel chauffe. Et je vais faire mon petit repassage. Bon, j'ai pas énormément de choses comme tu peux le voir sur la chaise. Ça va encore, je pense en avoir plus que ça. Quoique d'ici que j'ai fini ça, vu que je viens de mettre du linge à sécher dehors, je pense qu'il sera sec, vu le temps qu'il fait. Parce qu'on a quand même 28,2 degrés. Donc ça c'est cool. Je vais allumer la télé pour mettre... des vidéos YouTube pendant que je repasse. Et puis voilà quoi. Le vlog est monté, je vous l'ai pas dit. J'ai mangé aussi, là il est 13h40. Et bah, la journée plutôt pas mal avancée. C'est plutôt bien, je suis assez contente de moi. Je teste avec un nouveau comment on dit je vais y arriver hein, vous inquiétez pas. D'habitude je filme avec ça en fait, qui est à bout de main. Et là j'ai mis le bras court que je, dont je vous ai parlé la semaine dernière je crois. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Ouais, je crois que oui. Dans la vidéo vlog All Nose. Et en fait, c'est le... Vous savez, la perche, mais courte. C'est celle-là, là. De chez XS XORI, là. Et je me demande si c'est pas mieux. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Parce que d'habitude, je suis plus là, en fait. Et là, c'est peut-être un peu plan plus large. Alors, dites-moi ce que vous préférez ou pas. Je sais pas si je vais m'habituer ou pas à ce type de perche. Parce que c'est vrai que j'aime bien avoir... celle-là directement dessus, parce que quand je veux le poser, je le pose direct. Mais bon, s'il faut juste que j'enlève et que je remette, ce serait peut-être pas plus mal non plus d'avoir un plan un peu plus large. Dites-moi ce que vous préférez, n'hésitez pas. Le repassage est fait, j'ai rangé le linge, il me reste quelques trucs à ranger, mais je le ferai après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter dans le bureau et puis aller... Allez. Tiens, faut que je regarde si le linge là est sec aussi. Allez imprimer les bons Vinted, parce que... Ouais, c'est quasiment sec. Limite, j'aurais pu repasser en même temps, tellement c'est déjà sec. Ouais, pas complètement quand même. Bon, ça va finir de sécher, c'est pas grave, je le ferai dans la semaine. Imprimer les bons Vinted parce que j'ai fait des ventes la semaine dernière. Et donc, du coup, j'ai des petites ventes, des petits colis à préparer. Donc, faut que je regarde sur mon téléphone si j'ai des cartons à aller chercher dans le garage. Que je regarde un petit peu là ce qui est vendu. Et puis, voilà. Écoutez, je regarde tout ça, je continue ma journée et au final ce soir normalement le lundi c'est paravioli, hein.
ça rime, mais le lundi c'est apéro chez les amis, ça rime aussi, vous me direz. Et finalement on n'y va pas ce soir parce qu'ils sont pas dispo, donc on n'ira pas demain non plus, parce que quand vraiment ils sont pas dispo le lundi, souvent on décale au mardi. Mais demain c'est Chéri qui est pas dispo puisqu'il va rentrer tard, donc je pense qu'on se verra vendredi comme tous les vendredis midi. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vais faire ce que j'ai à faire et on se retrouvera un petit peu plus tard. Bon bah programme du jour fini à 16h, c'est plutôt pas mal. Du coup demain je voulais aller à la banque et à la, au relais colis, ça je peux le faire que demain puisque c'est fermé les deux aujourd'hui. J'ai préparé, comme vous pouvez le voir, les colis à mener demain. Mais du coup je voulais, par rapport au carnet donc, que je vous ai montré la semaine dernière dans le vlog, je vais vous le remontrer. Celui-ci, le carnet journal. En fait, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal parce que j'ai franchement envie de me faire un espèce de bullet, mais à ma façon où j'intègre un peu tout. Et je me suis dit que je vais prendre ce petit carnet et regarder un petit peu des vidéos YouTube pour savoir comment m'organiser avec ce carnet. Ouais, j'ai bien envie de faire ça, surtout pour YouTube, pour la maison au quotidien et tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais regarder un petit peu des vidéos sur ça, parce que c'est ce que je voulais faire demain, donc je m'avance sur le programme d'aujourd'hui. Je vais aller mettre un élastique dans mes cheveux pour remonter tout ça, parce qu'il fait très chaud et que je commence à avoir trop chaud au niveau du cou et il faut que je remonte ça. Donc voilà, me faire un petit café, me poser tranquille et puis ce sera détente jusqu'à la fin de la journée puisque au final j'ai fait mon programme du jour, ça c'est coucou. J'espère que vous allez bien, on est mardi, il est 10h tout pile et on attaque une nouvelle journée de vlog. Faut que j'allume le PC parce qu'il faut que je commande des lentilles pour chez mes choux. Oui je les commande sur internet les lentilles parce que c'est moins cher et c'est plus pratique. Ça arrive directement et franchement... au top, je vous mettrai, je crois que c'est lentilles moins chères où on les commande, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'ai un code parrainage éventuellement. Je ne sais pas, on verra bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, franchement les prix sont sympas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo d'hier, donc la vidéo de lundi dernier. Je vous la remets dans le petit i là quelque part, sur la mode et l'estime de soi. Franchement, je l'ai tournée il y a un petit moment cette vidéo, ça doit faire un mois qu'elle est tournée. Et j'osais pas vous la mettre en ligne parce que je savais pas si ça allait être bien reçu ou pas. Et franchement, elle a été admirablement reçue. Enfin, vous avez été beaucoup à me laisser plein de messages et j'ai adoré. Et je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce style de temps en temps parce que je pense que ça vous plaît. Et franchement, vous m'avez beaucoup touché hier par tous vos messages sous la vidéo et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que... par moment il faut le dire aussi. Et une autre chose, dans cette vidéo aussi beaucoup me disent que oser c'est bien, mais elles sont pas prêtes à oser en fait. Elles sont pas prêtes à oser, prêtes à passer le pas et tout. Franchement les filles, foncez parce que il n'y a que vous qui vous mettez les barrières. C'est vous qui les mettez les barrières et vous, par rapport aux gens, les gens ne voient pas forcément les complexes que vous avez. Les gens ne voient pas forcément le côté, par exemple, si vous complexez pour, je sais pas, pour vos jambes ou tout ça, les gens vont pas le, enfin, quand les gens vous regardent, ils voient pas forcément ça. Donc, essayez de passer outre ça. Je sais, c'est pas facile. J'ai eu moi aussi j'ai eu cette période où je complexais beaucoup sur tout et à un moment dans la vie où je voulais pas mettre de shorts parce que je trouvais que j'avais des grosses cuisses etc. Et à partir du moment où j'ai osé, je me suis sentie libérée et je pense que c'est important de passer outre et de se libérer de ce carcan de complexe et tout ça qui fait que par moment on s'empêche de vivre et c'est bien dommage. Donc voilà, et je vous montre la tenue du jour du coup en parlant de mode et de complexe. Je vais vous en parler d'un de mes complexes une fois que je vous aurai montré la tenue du jour. Alors, petite tenue du jour. Donc, c'est ma petite robe que j'ai eue sur Shein que j'adore. Elle est vraiment trop belle celle-ci. J'aime beaucoup le détail des manches là comme ça. Le détail du col avec le petit lassage, je trouve ça très joli. Vous pouvez le monter plus haut si vous voulez, hein. C'est vous qui faites le lassage. Il y a le petit nœud qui est là, mais bon, moi c'est la bonne taille. On voit mon soutien-gorge noir en dessous, mais personnellement je m'en fous. Et là on voit un tout petit peu de bidou, mais franchement c'est pas ça qui m'arrête. Voilà, donc vous voyez par exemple... Dans cette tenue, mon complexe de face, je m'adore. De côté, j'ai toujours ce petit complexe avec ce petit bidou là. Mais il est là, hein. Ça fait partie de moi, donc je me dis que voilà.
Voilà, voilà. Et au niveau des bijoux, j'ai des petites boucles d'oreilles. Je vous en avais déjà parlé dans le dernier vlog, que je trouve qui vont particulièrement bien avec cette robe. Et le rouge à lèvres, c'est un essence. Et je me suis maquillée avec la palette Secret Garden, non ? Secret Palette de chez Nabla. Je vous en avais... je vais y arriver. Je vous en ai parlé quand je l'ai reçue. Et du coup... je vous en ferai une vidéo, je ne sais pas quand. En fait, ce matin, j'étais partie pour vous faire la vidéo make-up et je me suis rendu compte que je m'étais maquillée. Bref. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais faire quelques petites choses que chérie m'a demandé ce matin. Et après, on verra bien. Vous devez bien vous demander ce que j'ai pu faire depuis tout à l'heure. Ben oui, parce que je vous ai lâché ce matin et je ne vous ai pas repris depuis, il me semble. Et je suis dans la chambre, je suis en train de faire du rangement, du tri, voilà, du... Je vais couper la radio. Hop, d'ailleurs ça va retourner. Ça, vous voyez, par exemple, c'est tous les soirs quand j'enlève mes pinces, ça reste là. Donc, ça doit retourner dans le pot à pinces. Donc, j'ai trié tous les bijoux que j'avais dans mes pots à bijoux à l'entrée de la maison. Parce que quand j'enlève mes bijoux, en général, je les mets à l'entrée de la maison dans un pot. Et donc, j'ai trié tout ça. Donc, j'ai tout rangé. Et du coup, j'ai remis, je sais pas si vous allez voir... Hop, je vais allumer, voilà. J'ai mis tous les colliers fins ici, je vais vous montrer dans l'autre sens, ce sera mieux. Voilà, donc j'avais une tringle là où je mettais mes gros colliers à l'époque, mais je ne mets plus du tout de gros colliers. Et du coup, j'ai mis tous les colliers fins pour éviter qu'ils s'en mêlent, parce que je les mettais avec plein d'autres et ça s'en mêlait et ça m'embêtait. Et comme je mets beaucoup de colliers fins en ce moment, donc j'ai tout mis là, comme ça je les vois, je sais ce que j'ai et je peux choisir au fil des journées. Après... J'ai retrié également tout ce qu'il y avait dans cette boîte. Alors si vous vous rappelez, cette boîte c'est celle que j'avais eue sur Romouille, je crois, avec quand j'avais fait des, une vidéo déco Romouille. Et donc là-dedans, il y a tous mes boucles d'oreilles, des bracelets sur par ici et des bagues. Donc voilà un petit peu, elle est super pratique cette boîte franchement. Et je pense que je vais m'en recommander une autre pour pouvoir mettre vraiment les bracelets d'un côté et les boîtes et les bagues de l'autre. Hop. Et dans ce petit panier là en fait c'est les bijoux que je dépose le soir quand voilà. Et surtout là j'ai mis tous les bracelets que je peux pas ranger dans la boîte. Donc vous savez les bracelets jaunes, rigides et tout ça. Donc je les pose là. Là c'est mes palettes à tester. Voilà, ça c'est pour ma maman. Je trie bien souvent, il en va à ma maman au bout d'un moment. Parce que c'est des trucs que je mets pas et qui ne me plaisent pas. Là ce que je vais faire c'est... Je m'assois 2 minutes. Ranger un petit peu ce qu'il y a au pied de mon dressing. Parce que c'est le bordel. Regardez-moi. Ce bordel ambiant. C'est toujours le bordel au pied de mon dressing. Du côté de chérie c'est toujours rangé et de mon côté c'est toujours le bordel. Donc j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, ce petit panier là pour mettre les chaussures. Et dans celui-là en général c'est les baskets et les chaussons. Donc je vais tout remettre en ordre comme il faut. Et puis ranger un peu tout ce bordel qu'il y a là. Bon c'est mieux, qu'en pensez-vous? Alors les trucs noirs là c'est les trucs que j'ai sous mon tapis qui est normalement là mais qui est en train de prendre l'air. Donc voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et le dressing. Ah, j'ai voulu que mon tapis, j'en suis plein de la tronche. Et les poils de Birdie. Par contre, là, va falloir que ça pète. Hein. Il y a 33,7. Il fait hyper chaud. J'ai cru que j'allais mourir de dégoulinage. Bref. Donc, j'ai fini ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait toute la chambre pour que ce soit bien propre. Il est 6h20. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ranger les serviettes qu'il y a à ranger, ranger les quelques petits trucs qu'il y a à ranger, ranger la cuisine et après je me pose un petit peu. Mercredi, il est 15h15 et on attaque une nouvelle journée. Enfin on attaque, elle est déjà bien attaquée, une nouvelle journée de vlog. Ce matin j'ai dû partir assez rapidement donc je vous ai pas pris. Oui, j'ai un espèce de truc sur la tête. Je trouve ça sympa. Ma mère m'a dit que ça m'allait bien. Donc voilà. Je suis l'œuf de Pâques aujourd'hui. J'étais à la banque parce qu'il fallait que je récupère des carnets de chèques, que je dépose des chèques. J'étais à la poste, j'étais au relais colis. J'ai fait plein de choses. Et là, je rentre de chez mes parents parce que ma maman a dû aller récupérer son chien chez le vétérinaire. Vous savez que le mercredi, je vais manger avec mes parents. Et là, bah, du coup, je suis restée un petit peu plus longtemps avec mon papa parce que ma maman est allée récupérer son chien chez le vétérinaire. Elle se faisait opérer du genou. Donc, ils ont fait le droit ou le gauche, je ne sais plus, il y a... un peu plus de 6 mois maintenant et là ils font le deuxième parce que cette chienne a 4 ans et est bourrée d'arthrose. Comment dire, bref. Sinon je suis passée chez Nos également vite fait ce matin et dans un nouveau magasin qui a ouvert à Flixecourt. Pour celles qui connaissent Flixecourt, c'est à l'ancien garage Renault dans le centre-ville où il y avait la pompe à essence avant mais en face. Donc voilà, je vous montrerai ce que j'ai pris, des petits trucs que j'adore, donc vous allez voir ça.
Et là, pour le coup, je vais me faire un café et faire deux, trois petites choses que je dois faire. Et après, bah, je vous reprendrai dans l'après-midi. Mais aujourd'hui, cet après-midi, au programme, il faut que je vous tourne des vidéos pour les avoir pour la semaine prochaine. Il faudrait que je les monte aussi. Donc, pas mal de choses à faire, en fait, cet après-midi. Donc, c'est parti, c'est parti. Alors, pendant que mon café coule, je vous montre rapidement ce que j'ai pris au petit magasin ce matin et chez Noz. Alors, j'ai trouvé les fameux, vous savez, les fameux hauts lingerie que j'adore tant. Et bien, ils y étaient dans ce magasin-là et c'est Made in Italy, donc c'est la même manufacture que ceux que j'ai déjà, que j'achète chez chez Fort et Joli, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc là, ils étaient à 12 euros. Je crois que c'est ça. Ouais, 12 euros. Et ils sont trop beaux. Donc, j'en ai pris un comme ça, qui est un peu moutarde. J'en voulais un moutarde, ça fait des mois que je voulais commander sur Fort et Joli, mais c'est vrai que les frais de port à 11 euros, c'est assez élevé. Donc comme j'ai que ça à commander, je me dis que ça vaut pas trop le coup. Donc voilà, il est, c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes. Donc il est moutarde et j'ai pris exactement le même en vert, parce que ça, c'est la vie, ça se porte avec tout, aussi bien en été qu'en hiver. Donc c'est pas perdu, voilà. Et je vois que j'ai une carte de fidélité à mettre de côté. Ensuite, chez Noz, alors vous allez voir, chez Noz, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des petites choses sympas quand même. Allez, Sésame, ouvre-toi. Ah, mon café est passé, je l'entends plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris chez Noz, la demoiselle? Déjà, j'ai repris trois gants de toilette parce qu'on en a besoin et que les nôtres sont un peu usés. Donc, j'ai repris, ils étaient à 60 centimes pièce. Alors, il y en avait des moins chers à 45 centimes, mais ils étaient beaucoup, beaucoup plus fins et on sentait que la matière n'était pas la même. Donc, j'en ai pris un beige, j'en ai pris un gris. Vous voyez, c'est pas le même, mais bon, je m'en fous, hein, c'est des gants de toilette. Et un blanc. Donc, voilà, 60 centimes pièce. J'ai pris. Je vais vous montrer le random et après je vous montrerai la beauté, parce qu'il y a des choses en beauté. J'ai pris des cintres comme ça parce que mon mari s'en sert pour ses pantalons et moi aussi pour faire mes photos sur Vinted de temps en temps. C'était les 2 à 69 centimes, vous savez, c'est les cintres pour pantalons là, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris un livre de Linda Lemming, auteur de Married to Bhutan. Petit guide pratique pour le bonheur, ce que j'ai appris au Bhutan sur la vie, l'amour et l'éveil. Donc il était à 2,99€, je vais lire ça, on verra bien avec les vacances qui approchent là, ça va être pas mal. Et j'ai pris également un petit calepin comme ceci, il est trop beau, regardez-moi ça, cette beauté, il y a des flammes en rose, c'est une couverture en plastique transparente. Et au niveau des pages, il est tout aussi beau parce que au bas de chaque page, vous avez un petit flamant rose. Donc voilà, c'était 1,50€ et est-ce qu'il y a une marque? Non, pas particulièrement, mais il est vraiment vraiment beau, s'il a peut-être Go Made in Great Britain. De toute façon, les Anglais ont toujours de la papeterie magnifique. Ensuite, pour Chéri Chou, je lui ai pris deux déodorants comme ça parce qu'en ce moment, il a des problèmes avec son déo. Il utilise le Axe habituellement et en ce moment, c'est la cata parce que le Axe ne lui va plus. Il transpire dans la journée, donc j'en ai pris deux pour qu'il teste. Le Adidas Adi Power à 1,86€ en mini comme ça et le Sanex Men à 1,70€. Donc voilà, il testera, il verra bien. On verra bien. Ensuite, j'ai pris pour moi de la marque Dove Advanced Air Series le... Je suis désolée pour le bruit, c'est, je pense qu'ils vont tondre en face. Et moi qui voulais filmer. Mon Dieu, le soin des mêlants conditionneur pour nourrir en profondeur et sublime la matière. Donc de chez Dove, comme ça, et il était à 2,90€. Ensuite, j'ai pris un mascara de la marque Wet n Wild. Donc, c'est le XXL Lashes pour le volume. Il était à 99 centimes. On va regarder la brosse ensemble. Si j'y arrive, ouais. À la barbare, ça va toujours beaucoup mieux. Alors, ouais, c'est une brosse en poils basique, en fait. On verra bien ce qu'il vaut. J'ai pris également un petit rouge à lèvres de chez Bourjois, comme ça. Alors ceux-là, ils sont quand même relativement chers en général et là ils étaient à 1,50€. Alors j'ai regardé, il y en avait pas mal, mais alors toutes les teintes c'était la même. C'était la teinte. Attendez. Alors... Ouais, c'est un anti-voile, bah, c'est pas cool. Bah, il va rester parce que sinon ça va coller, ça va être dégueulasse. Donc c'est un rouge à lèvres, donc je vous ai dit, de chez Rimmel. Ce sont les là, aux fesses Hélène, ce sera plus simple. Bon, il n'y a pas de truc particulier. Lipstick Rosetto Matte, les lipstick matte, voilà. C'est le 700 Trendsetter. Donc il est comme ça. Et c'est un nude. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Ouais, il est joli, j'aime bien. Je vais l'essayer, je crois que j'ai plus rien sur les lèvres.
c'est un petit nude sympa. Écoutez, plutôt sympa. Ensuite, je vous recule. Hop là, j'ai trouvé ça de chez Wet n Wild et je l'ai trouvé trop joli. Donc, je l'ai pris. C'est un highlighter, une poudre illuminatrice. C'est la teinte Crow of My Canopy. Et c'était à 1,99€. Et regardez-moi cette merveille. Hop, voilà. Ouais, ça a l'air beau. Hein. Il est magnifique. Il est superbe. Oui, oui, oui. Et pour celles qui se demandent ça, pour l'enlever, vous chauffez un petit peu avec un, vous savez, un truc pour allumer les bougies et ça va se décoller tout seul. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est une petite palette de chez Physician Formula. Regardez-moi cette petite merveille. Pareil, ça, je vais le chauffer un petit peu et ça va venir tout seul. C'est la palette Shimmer Strip Extreme Shimmer. Et je l'ai trouvée magnifique. Déjà, le packaging, il est à tomber. Vous avez un petit pinceau en boumousse avec... il est magnifique, le petit pinceau aussi. Il y a des petites paillettes dedans. Et sinon, regardez-moi les teintes de cette palette. Super beau. Alors, je sais pas... Ils sont bien gentils, eux. Ils font du bruit, hein. Ah oui. Bon, je vous en ai swatché 3. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit peu poudreux. Mais ça m'a l'air très très joli. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà un petit peu mes achats. Bon. Bah écoutez, je pense qu'il va pas en avoir pour longtemps parce qu'il fait ça au tracteur, le monsieur qui tond la pelouse là. Donc je vais attendre un petit peu qu'il ait fini et après je tournerai mes vidéos tout simplement. Et pour en attendant, je vais allumer le PC et je vais peut-être monter une vidéo parce que j'en ai une à monter. Comme ça, je perdrai pas de temps. Un petit coup de luminosité voilà. Par-ci, un petit coup de luminosité par là. Je viens de vous filmer les vidéos que je vais vous mettre en ligne pendant mes vacances, comme ça c'est fait. Je vais les monter dans la foulée, comme ça ce sera fait aussi, les mettre en ligne et les programmer. C'est compliqué de filmer cet après-midi entre le tracteur tondeuse de la commune qui voulait tondre au moment où je voulais filmer, qui l'a fait d'ailleurs, hein, parce que de toute façon, c'est lui qui est roi, c'est pas moi. L'orage qui grondait pendant que je filmais, le soleil qui est là, le noir de la... J'ai dû jouer avec la luminosité je sais pas combien de fois pour vous faire ces vidéos. Bref, c'était pas facile. Mais en attendant, je vous ai pas montré la tenue du jour au fait. Faut que je vous montre ça. J'espère que je vais y arriver. On va essayer parce que la luminosité est vraiment, vraiment merdique. Ouais, c'est vraiment, vraiment merdique en fait. Vous allez rien voir du tout. Bref, c'est un petit top bleu comme ça, bleu marine que j'avais eu chez Kiabi. Alors moi, je le porte avec un top en dessous parce qu'il est un peu large, il est un peu grand. Et c'est un top avec des boutons, donc j'ai ouvert un petit peu pour qu'on voit le débardeur. Il est très long, donc je vais faire un petit nœud là en bas comme ça, un petit jean pantacourt tout simple. Et l'originalité d'aujourd'hui, c'est ce petit truc là, dans les cheveux. Ma maman m'a dit que ça m'allait très très bien, donc je me retourne avec ça. Donc c'est un petit bandeau, vous savez, avec, en tissu avec du fil dedans là, que j'avais eu chez In, je crois, et j'ai bien aimé, j'ai fait un petit chignon derrière ce petit truc là, j'ai mis des petites pinces pour pas qu'il bouge et puis voilà. Et le collier, c'est ma box bijoux, non, et Emma et Chloé, il est très beau, il est très très beau, donc voilà, j'aime beaucoup. Et pour les bracelets, j'ai mis plein de petits bracelets dans les tons, voilà, il y a un peu de tout, il y a ma box bijoux, il y a le petit bracelet en perles que j'avais eu en vacances, et le deuxième là, le petit jonc là complet, c'est mon mari qui me l'avait offert il y a quelques années. Voilà, allez, sur ce, je passe au montage. Bon, il est 19h20, déjà 19h20. J'ai monté deux vidéos sur trois. Donc, il y a celle de vendredi, j'ai mis le vlog en ligne du jour, on est mercredi, c'est normal. La vidéo de vendredi, elle est mise en ligne, programmée et tout. La vidéo de lundi, elle est en train de s'uploader. Donc, de se mettre en ligne sur YouTube. Donc, je vais la programmer une fois que ce sera fait. Et demain, parce que là j'en ai un peu marre, je dois vous avouer, je montrerai la vidéo pour le vendredi de la semaine prochaine. C'est bien ça. Tout est ok, on est bien. Et donc pour le vlog de la semaine prochaine, qui sera en ligne mercredi, eh ben, je verrai comment je peux faire en vacances, en espérant que la connexion ne soit pas une connexion de merde. On verra bien comment ça se passe. Donc voilà. J'ai prévu de vous mettre un vlog en ligne, j'ai prévu de le monter quand même sur place, mais j'espère simplement que la connexion sera pas trop merdique et que je pourrai le mettre en ligne. Bref, on verra bien. Au pire des cas, je vous mettrai un message sur les réseaux, mais de toute façon, quand je vous dis ça, si vous voyez ça, c'est que j'ai pu le mettre en ligne en fait. Là, voilà. Tout de suite maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vider mon lave-vaisselle de ce matin, puisque...
puisqu'il a tourné. Oula, j'ai le soutien-gorge qui passe et tout, c'est magnifique. Magnifique. Hop, je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça pour filmer quand même, hein, un petit peu. Alors je sais pas ce que vous en pensez avec la perche, parce que d'habitude je suis plus comme ça et là je suis un peu plus loin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je commence à m'y faire à cette perche au final. Donc voilà. Et je vous disais donc que là je vais vider mon lave-vaisselle, remettre la vaisselle qu'on n'a pas pu mettre hier dans le lave-vaisselle et celle de ce matin. Et puis pour ce soir, je vais moi finir ce qu'on avait, j'avais fait pour hier soir. C'est-à-dire qu'hier soir, il me restait du riz d'avant-hier et je ne savais pas quoi en faire. Et il faisait super chaud hier et tout, et je me disais c'est pas possible, je pourrais pas manger de trucs hyper chaud, parce que j'ai des quenelles à faire, mais hier soir c'était juste pas possible. Et donc j'ai fait des roulés au jambon avec donc dedans j'avais mis le riz, des œufs et des échalotes, de l'ail, de la persillade, du persil, et j'avais mis une cuillère de moutarde à l'ancienne et deux ou trois cuillères de mayonnaise. J'avais tout mélangé, mis dans le jambon, et c'était hyper bon. Et mon chéri m'a dit tu devrais faire des roulés au jambon plus souvent avec plein de choses, des carottes, du céleri, machin et tout, de la macédoine. Donc je vais noter l'idée parce que je pense que pour cet été ce sera bien. Mais hier c'était sympa, ça fait un peu comme une salade de riz revisitée et on a adoré. Donc j'en avais fait 4 parce que je pensais que ce serait bien, mais en fait un chacun c'était déjà beaucoup. Là il m'en reste 2, donc je vais en manger un ce soir, mais chérie je vais lui faire autre chose, je pense que je lui ferai des pâtes, à moins qu'il veuille encore manger ça, mais ça m'étonnerait fort. Donc je pense que je lui ferai des pâtes avec de la copa parsemée dessus, des pâtes à l'ail avec de la copa parsemée dessus, il aime ça, donc ça sera très bien. Et puis voilà, écoutez, rien d'autre de particulier à vous dire pour l'instant, je suis en pleine forme, tout va très bien, donc c'est cool et ça roule. Allez, on vide le lave-vaisselle, enfin je vais vider le lave-vaisselle parce qu'il n'y a personne qui va venir m'aider. C'est vraiment pas sympa. On est jeudi, il est 9h35 et on attaque une nouvelle journée. Ce matin c'est pas tip top, j'ai assez mal au ventre et j'ai un petit peu des soucis gastriques on va dire. J'ai pris ce qu'il faut donc je pense que ça va passer, mais c'est vrai que là tout de suite maintenant c'est un peu compliqué. Bref, alors est-ce que c'est un truc que j'ai mangé, est-ce que c'est le départ en vacances sous proche qui me fait ça, parce que je vous l'ai déjà dit, je suis assez sensible de ce côté là en général quand j'ai des trucs comme ça qui approchent et tout, j'ai un peu de soucis. Bref, on verra bien dans la journée, de toute façon j'ai pris ce qu'il faut, donc le spectacle est mon ami aujourd'hui. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc je vais faire en journée light parce que j'ai vraiment mal au ventre et donc du coup je vais pas trop me bousculer. Je vais monter la vidéo que j'ai pour ma dernière vidéo que j'ai pas montée hier, et puis après je verrai bien. J'ai des petites choses à faire à la maison, de toute façon un petit peu de rangement, des petites choses comme ça faciles à faire, donc je pense que ce sera ça aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est tout. Bon, pardonnez mon coiffage approximatif, mais j'ai succombé au bonheur de la sieste cet après-midi. Ouais, mes maux de ventre et tout m'ont mis à plat. Et donc j'ai succombé au bonheur de la sieste. D'ailleurs, Birdie n'a pas dit non au bonheur de la sieste non plus. Cette tête que j'ai, c'est une catastrophe. Je pense sincèrement que, parce que j'ai pas été... Je pense sincèrement que c'est encore une fois le stress de partir. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'être comme ça, mais je suis comme ça, donc ben voilà. Là j'étais réveillée par une copine qui m'appelait au téléphone, et là je suis en train de regarder le dossier de presse de la marque Kissim Press. Il y a des nouveautés les gars, je vais vous montrer, il y a des nouveautés, mais alors j'ai juste une envie, c'est de les trouver. Alors, trop beau. Regardez-moi ces petites merveilles, alors je vais essayer de vous les montrer plus, attendez, donc regardez-moi ces petites merveilles, en fait vous en avez des marbrés là-haut. Des gris et des avec des paillettes, c'est les Ye Boy pour celles que ça intéresse, et ils sont juste magnifiques, franchement au top. Après il y a ceux-là que je porte en ce moment, comme vous pouvez le voir, ce sont les shimmers qui sont très très beaux, les Harlem Shake je les connais aussi, ils sont sympas, et il y a les symphonies qui ont l'air magnifiques. Ouh, je vais trop vite, les symphonies qui ont l'air magnifiques aussi, ceux-là avec un rose pâle comme ça, et ça a l'air d'être des paillettes aussi sur une peau bronzée cet été, ça va être top. Et vous avez vu la dernière nouveauté les gars, vous avez vu ça, les Kiss Impress pour les pieds, oh, j'ai trop hâte d'essayer ça, ça doit être trop bien. Donc voilà, et pour info je vous le redis, je vous le remets en place, hop. Où les trouver pour celles que ça intéresse, Carrefour, Casino, Boutique du Coiffeur, My Sweetie Box, Pop My Lays. Donc voilà, vous savez tout.
Et au niveau des prix, voilà ce que ça donne. 30 capsules 12 tailles, dont 6 accents de nail, lingette nettoyante lime de 8,95 à 9,95. C'est à peu près ça à chaque fois. Donc voilà un petit peu, mais franchement le dossier de presse, il est ouf. Il est ouf de chez ouf. Il y a des choses trop sympas. Ouais. Et après, vous avez également, vous avez tous ceux-là aussi, ceux-là, ils ont l'air très très jolis aussi. Ils sont un peu turquoise avec le bout un petit peu pailleté comme ça. Et il y a les mêmes avec le bout doré. Et après, vous avez d'autres choses chez Kiss, c'est-à-dire que vous avez les fossiles, que moi je ne mets pas, donc ça ne m'intéresse pas. Et vous avez aussi des kits pour les sourcils, donc voilà. Un petit peu tout ce que peut faire. Là, je voulais vous montrer les dernières nouveautés parce que franchement, elles sont magnifiques. Donc, je vais continuer à répondre à mes mails. J'ai reçu un colis Vinted, n'importe quoi. J'ai reçu un colis Shein tout à l'heure. Alors, je pense que je vais recevoir la deuxième partie demain. Parce que pour celles qui ont suivi sur mes stories Insta, j'avais une grosse commande partenariat à passer. Et je vous ai demandé de choisir. Donc, j'avais 20 articles à choisir. Donc, il y a une certaine... Les trois quarts, je pense, c'est vous qui les avez choisis. Donc étant donné que moi j'avais passé une commande également à ce moment là et qu'elle est arrivée aujourd'hui, je pense que l'autre colis va arriver demain, j'espère, parce que sinon ça va arriver quand on sera pas là. Donc je pense que demain je vais rester à la maison, on va bien voir. Et du coup ouais, il y a des petites pépites, il y a une petite robe, elle est trop belle, et j'avais commandé des bijoux pour une fois pour tester, il y a des petites choses très sympas. Donc je pense que vous verrez ça à la rentrée. Enfin, à ma rentrée, c'est-à-dire en juillet, parce que je vais pas emballer les, je vais pas emmener les colis avec moi, sinon chérie va me dire tu fais quoi là, ça va pas le faire. Voilà, à moins que j'arrive à la faire demain. Si vraiment je reçois le gros colis demain, je vous ferai cette vidéo là demain, comme ça je vous la posterai dans la foulée. Enfin dans la foulée, entendons-nous hein. Mais franchement je suis hyper pressée de recevoir ce gros carton, parce que il y a des chaussures, il y a des sacs, j'ai vraiment fait des tenues en fait grâce à vous. Je vous ai demandé de me faire des tenues, donc vous m'avez envoyé pour la plupart soit un pantalon, un haut, un t-shirt, voilà. Il y a des petites tenues, robes, sacs, chaussures et tout machin, ça a l'air assez mignon. Donc voilà, sinon une deuxième chose, j'ai décidé de faire un petit peu comme j'avais fait quand on est parti en week-end, attendez. Voilà, ce sera mieux. Avec les collègues de mon mari, en fait, je vais terminer ce vlog demain. Demain, dans l'après-midi, je clôturerai ce vlog, vous le verrez. Et comme ça, je reprendrai un vlog samedi matin en partant. Comme ça, je n'aurai pas à monter de vlog sur place. Ça me facilitera la tâche et ça m'évitera de passer du temps à monter un vlog plutôt qu'à profiter de mes vacances. Je pense que ce sera pas mal comme ça. Donc voilà, je tenais à vous le dire, mais bon, je pense que vous l'aurez vu et vous l'aurez compris qu'il est peut-être un petit peu court, mais bon, on verra bien. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous laisse, là il est 18h30, chéri va rentrer, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait passer la tondeuse, comme ça ce sera fait avant de partir, et puis bah moi je me repose encore, mais ça va beaucoup mieux que ce matin, je me sens mieux que ce matin déjà. Bon, j'ai fait la sieste pendant 2 heures, donc je suis un peu dans le cosmos, hein, ce qui est normal, mais ouais... Voilà. J'espère que vous allez bien, on est vendredi, il est 10h05 et on attaque une nouvelle journée. Dernière journée de ce vlog, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Hier soir j'étais pas bien du tout, j'avais froid et tout, donc je pense sincèrement que, étant donné que je vais avoir ma période féminine ne devrait pas tarder, je pense que ça vient de là aussi. Par moments j'ai des moments comme ça où c'est compliqué. Mais bon, c'est sur une journée, après ça passe. Donc je pense que c'était bien ça hier, et puis il doit y avoir aussi le stress de partir, donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je vais faire un petit peu, commencer la valise, etc, etc. Il faut que je passe chez mes parents aussi. Normalement, comme boule, il y a une bosse là. Tant pis. Normalement, le vendredi, je vais sur Amiens, mais aujourd'hui j'y vais pas parce que j'attends des livraisons. Faut que je la refasse, ça me gonfle cette bosse. Mais il faut que j'attende des livraisons, donc je ne vais pas sur Amiens aujourd'hui. Et puis comme ça me permettra de faire des choses à la maison que j'ai pas pu faire hier. Voilà, sinon au niveau de la tenue du jour, je vous montre. Alors au niveau de la tenue du jour, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis ma petite jupe en jean, mon petit haut que j'ai eu chez Shein, que j'adore, que j'attends d'ailleurs dans une autre couleur. Voilà, et des petites converses basiques. Tout simple, mais j'aime beaucoup. Et au niveau des bijoux, j'ai une accumulation de 2 colliers. Celui-ci, bon, il s'en mêle un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, je pense qu'il venait d'une Click and Fit ou je ne sais plus quoi. Ça vient de You Are... Oui, You Are, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ils font des super beaux bijoux et celui-ci est très joli avec des petites perles comme ça. Sur la chaîne, il est vraiment beau. Au niveau de la bague, c'est une accumulation de 2 bagues... AliExpress, et le bracelet, je ne sais plus du tout d'où il vient celui-ci, mais je l'aime beaucoup. Voilà,
Puis les petites boucles d'oreilles, c'est celles que mes parents m'ont offert pour mon anniversaire. Je n'ai pas encore mis de rouge à lèvres et au niveau des yeux, je me suis maquillée avec... Ouh, c'est flou. Voilà, je me suis maquillée avec la palette de chez Ciaté que j'ai reçue pour mon anniversaire. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous laisse pour l'instant. Je vais faire des petites choses que j'ai à faire. Je devais faire une lessive ce matin, mais je vais aller voir si c'est revenu. On n'a pas d'eau. Et j'ai vu qu'au bout de la rue, il y avait des camions. Donc je pense qu'ils ont coupé l'eau parce qu'il doit y avoir un souci dans la commune. Ouais, il n'y a pas d'eau du tout. Donc bah écoutez, on va attendre hein, que ça revienne. Mais bon, j'aimerais bien que ça revienne rapidement parce que je voudrais faire une lessive des derniers trucs à laver. Et puis au pire des cas, bah, je les emmènerai sales et je les laverai sur place parce que y a une lessive, une machine à laver sur place. Donc voilà. Et pour celles qui se demanderaient, nous partons à Landévent dans le 56. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une petite story Insta pour vous demander un petit peu si vous connaissez des coins à visiter qu'il faut ne pas oublier. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Il est l'heure de commencer la valise. Je suis bien embêtée parce que il prévoit canicule la semaine prochaine. Je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux et tout ça. Mais le souci, c'est qu'il prévoit pas canicule là où je vais en vacances. Et moi, quand je vais en vacances, souvent on va dans le sud. Donc je mets 3 shorts, 2 t-shirts, 3 petites robes d'été, 5 maillots de bain et roule ma poule. Mais là, c'est pas le cas. Donc bah, je vais déjà choisir. On a un spa où on va en vacances. Je vous partagerai le lien de la maison dans le prochain vlog. Parce que j'ai pas envie de vous le partager avant qu'on y soit. Je vous partagerai le lien de la maison dans le prochain vlog. Franchement, ça vaut le coup. Elle a l'air vraiment sympa. Et puis comme ça, je verrai si elle est vraiment sympa ou pas sur place. Mais en photo et tout, ça a l'air vachement sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver des fringues. Donc je pense que je vais prendre les deux. On part qu'une semaine, donc je vais pas non plus en prendre des tonnes. Mais je vais prendre du pantalon, je vais prendre des sandales, je vais prendre du truc fermé, du truc ouvert, du truc chaud, du truc froid, enfin voilà. Enfin, il prévoit, pas canicule, il prévoit orage en fait où je vais. Donc, c'est pas facile. Bon allez, je vais déjà mettre dans la valise les draps, je pense que je les mettrai dans autre chose avec les serviettes. Je vais déjà mettre dans la valise ce que je pense que je vais emmener et puis on verra bien. On verra bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on serait susceptible d'emmener ? Des trucs que j'aime bien, des trucs faciles à vivre. Je vais déjà regarder les maillots. Alors, niveau maillot de bain, j'emporte quoi? Donc, en général, j'emporte ces 4-là. Donc, en général, ils viennent tous de Shein ou Rosegal. Mais je crois que c'est... non, il y a Shein et Rosegal, sauf un que je vais vous montrer. Donc, le premier, bien sûr, c'est un que j'ai reçu récemment. Il n'a pas encore été dans l'eau, celui-là. C'est un de chez Shein, il me semble. Il n'y a pas d'étiquette, je ne pourrais pas vous dire si là... non mais je crois que c'était Shein celui-là. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Donc la culotte haute et le petit haut brassière avec le petit nœud devant qui est très joli avec des étoiles comme ça. Voilà. Le deuxième, c'est celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Il est très très joli avec les petits découpes là sur les côtés. Voilà, culotte haute toujours. Et en haut, c'est un haut, vous savez, qui est comme ça. Si vous suivez dans mes vidéos, vous l'avez déjà vu. Il est vraiment joli aussi celui-ci et derrière ses brassières également. Le troisième, c'est celui-ci que j'ai déjà mis. Ça, c'est pas un nouveau, je l'avais déjà l'année dernière en vacances. C'est celui marbré. Il est juste trop beau. Pareil, culotte haute et avec des petites fronces sur les côtés, c'est flatteur. Et en fait, là, vous avez un nœud que vous allez nouer dans le dos. Vous savez, vous avez des longs trucs et c'est pareil, c'est brassière. Donc, pas de trucs à attacher dans le dos, c'est cool. Et le dernier, si jamais on va à la plage, parce que les deux pièces... c'est bien quand c'est dans une piscine privée, mais en général, j'ose pas encore le deux pièces à la plage. J'ai pris cette culotte haute que j'avais eue chez Bonprix, chez Shein également. Elle est trop belle. J'adore. Normalement, le haut, c'est un deux pièces basique avec un haut vert, tout ce qu'il y a de plus basique, voilà, bikini vert. Mais je le prends avec ce haut tankini, en fait, de chez Bonprix, qui est très joli et ça va bien ensemble. Donc, voilà un petit peu les 4 maillots que j'emmène avec moi en vacances. Voilà, j'ai trouvé mes maillots. C'est déjà une avancée. Quand tu ressors toutes tes affaires d'été pour les essayer et que tu te rends compte que un de tes maillots préférés, il est beaucoup trop grand maintenant. Ouais, ça pardonne pas en fait. Vous voyez, il est beaucoup, beaucoup trop grand. Donc voilà.
Je suis déçue. Il y en a comme ça, il y en a quelques... Oh, pardon, je ne cadrais plus. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont devenus Bon, ça fait plaisir, hein, dans le sens où c'est trop grand, donc c'est bon signe. Il y a même des choses où j'étais un petit peu serrée dedans, où je me trouve beaucoup mieux dedans, mais celui-ci, je l'adorais. Par contre, celui-ci, je pense qu'il va partir à la vente parce que c'est pas possible. Ça baille sur les côtés, c'est vraiment pas beau. C'est dommage, je l'aimais bien, celui-là. Bref, allez, je continue. La valise est quasi prête. Je vais pas vous montrer comment je fais ma valise parce que je le fais toujours et puis c'est toujours la même chose en fait. Voilà, les soins ce sera les mêmes, les produits de beauté ce sera les mêmes. Donc j'ai mis un petit sondage sur Insta pour savoir lequel de ces comment je vais faire. Donc, je vais lequel de ces quatre faisons que vous voulez que je mette. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir parce que je note en allant, c'est le 4 qui a, donc c'est celui-ci le 4 parce qu'ils sont pas dans le bon ordre là, bref, c'est le 4 qui a votre donc je verrai ce soir si c'est toujours le 4. Le 2 remporte aussi, c'est celui-ci. Pour l'instant c'est ces deux là qui sont les plus primés, donc on verra bien. J'avouerai que je préférais cela, mais si vous votez pour cela, je mettrai cela. Voilà, voilà, et on verra bien. Et j'ai pas mal de petites choses aussi que vous m'avez conseillé à faire pendant, donc voilà, mes vacances. Ce midi ce sera pâte parce que je finis les restes, et puis je pense que je vais arrêter ce vlog là. Il est midi, j'ai déjà fait pas mal de choses, là j'attends un dernier livreur, et après cet après-midi il faut aller chez mes parents faire deux courses parce qu'il n'y a plus d'eau du tout, donc il nous faut de l'eau. Et je pense que voilà, je pense que je vais arrêter ce vlog là. Je vous reprendrai demain comme je vous l'ai dit en story Insta. J'arrête ce vlog là et je vous reprends demain pour recommencer un vlog, donc voilà voilà. Bon bah sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, pendant que vous verrez ce vlog, à l'heure où vous verrez ce vlog, je serai en vacances, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et à la semaine prochaine dans un autre vlog, et ce sera le vlog des vacances, voilà voilà.